allons prendre nos Bibles. On va lire ensemble dans dans Luc chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 31. Lisons 31. Le Seigneur dit: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Père Céleste, bénis ces quelques mots. Toi, tu peux les vivifier dans le cœur de tes enfants. Et tu peux rendre réel ce qui n'est pas réel. Tu peux changer les ténèbres en lumière. Tu peux changer la maladie en guérison. Nul ne peut te résister. Tu es Dieu, auprès de toi il n'y a pas un autre. Tu dis un mot et la chose arrive. Laisse que ce matin il y ait un changement dans tes enfants. Laisse que chaque requête soit bénie ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Veux asseoir, bien-aimé. Nous avons lu là la pensée ici que nous voulons montrer. Mais la première chose, la première pensée d'abord, nous commençons par ce verset, n'est-ce pas? Là, il est dit que le diable avait demandé de cribler, n'est-ce pas, leur foi. Ce n'était pas seulement à Pierre. Vous voyez, le verset dit quoi? Simon, Satan vous a réclamé. Vous voyez, réclamé avec S à la fin. Tous. Bien qu'on puisse parler maintenant de Pierre, mais c'est-à-dire, on pouvait aussi donner les exemples des autres. Nous ne savons pas les autres ce qui leur est arrivé. Vous comprenez un peu? Amen. Bon, on a pris l'exemple de Pierre parce que c'était un peu plus... plus marquant. Et il dit qu'il vous a réclamé, n'est-ce pas, pour vous cribler comme le blé. Blé, zandenge moko, ce qui va bouki yango za lokola kaka loso. Et sengeli babeta yango pesa pote poso ya loso wana elongwa. Ndenge moko pe na blé. Blé za ka ndenge mona loso. Boko pulango boeti posoane kei se mande botikeli na blé na ba grain ya blé wana botikeli na ba grain ya loso et cetera. Alors ko criblé zali ko beta blé wana de manière à ce que grain wana et bien maïti ka la penza pure, parce que soki zana poso moye pe ko lamba ngo ko lia ngo zalate. Il faut posoane kende. Amen. Amen. Donc ko criblé blé ezali ko beta yango po ete koma pure bima yango penza mobimba. Et ici bazali ko comparer foi ya Pierre lokola blé wana. Et Satan asengi a criblé bango nyonga bango. Tomoni, hein? Maintenant nous voyons là-bas, mais Jésus a le vieux boy. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Mais j'ai prié pour toi pour afin que ta foi, n'est-ce pas, afin que ta foi ne défaille point. Si quoi défaillir les animes, afin que ta foi ne défaille point. Défaillir na esika oyo, ça veut dire seulement que ta foi ne vienne pas à manquer. Amen. Que ta foi ne vienne pas à manquer. À manquer. Que tu ne perdes pas la foi. Ou que ta foi ne faiblisse pas. Delikanisi, oyo ezali na kati ya de kambo yeso akolobake na sili kobondela po na yo po ete kondima na yo ezanga yo te po kondima na yo elemba pete. Amen. Amen. Amen.
Et Satan a cinq qui a attaqué Bango. Mais Jésus ne refuse pas, il ne dit pas que Satan ne les attaque pas. Non, il dit que non, si na bonde li pona yo. Amen. Amen. Afin que ta foi ne défaille pas. Parce que foi na yo, yangonde ezo simba yo. Talakamata 1 Jean chapitre 5. OK? 1 Jean chapitre 5 tokenda na verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Continue dans verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi. Merci. Donc, oui. Jésus a l'obique ata sengi yo kote anyonga yo lokola masango kasi nasili ko bondela ete kondima na yo ekoma na kozanga te tote koyisa mate. Parce que wale bina biso ke la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et longa wazali kolonga mokili zali kondima na biso. Jésus a yebaki très bien que Pierre à Colombe. Ne voyez pas l'événement tel qu'il est passé là. Cet événement-là n'a pas affaibli Pierre. Apparemment, ils ont été affaibli. Mais cet événement-là a ajouté un plus dans cette expérience, il y a Pierre. Amen. Si vous voyez la Pierre, après l'expérience, Pierre a commis ma casse coléka. Même l'air basé a menacé que. Côté à ceux qui ont été en train de se juger, tous ensemble et tous sabbat. Il avait maintenant le courage de parler au Bango Azalaka Nango Kala et ça les sous-sauter. Amen. Alors, que na bonde li pona yo pote, kondima na yo, ezangate, elembate, ekoyate. Amen. Amen. Kondima. Il faut aimer comme tu as la totale sur le monde ce soir. Na katia mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Balbina bisoni. Nous lisons. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi que maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Balbi, puisqu'il le faut. Donc moi, ça n'est monsieur Zaté. Ezali nzela, nzambasili kokata. Qu'il le faut. Sengeli. Il le faut. Ezo lakisake. Eza sous choix na yote. Vous allez être obligé ou le kananzela wan. Amen. Là, il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps. Sengeli, ça m'a pas le moins temps. Mais cause de la tristesse, on a. Ezo affaiblir yote. Au moni Pierre, il n'était pas affaibli. Les bandes de monnaie locaux l'a affaibli. Azanatine était mais que nous tal après expérience, on a autant le niveau il y a foi à Pierre. Oh, car Pierre foi naie et lundi sikoyo. A quoi vous bangez sur ce côté? Vous êtes là? Amen. Sikoyo va lui dire ce que il faut tomber comme. Amen. Amen. Il faut tous à la attrister. Amen. Quand les événements bien nous sommes attristés, tous les Alabama et les autres banques s'habillent de trucs comme cela. Babi que c'est nécessaire. Babi que vous voyez, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est le bon que ça m'a moins tant que nous allons mettre nos nègres dans. Continuons. Verset 7. Afin que, toquez, afin que l'épreuve de votre foi. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ce qui basuit or est à la carte, tant que vous tiens mon akati, yamabele, tote na maye, sikaba kunukayango, au coup tant que vous êtes en pureté. Ils ont mélangé la impureté belle. Il faut
faut être vraiment un connaisseur pour les banga ya or. Parce que vous allez récupérer les banga ya or. Mais ce qu'il faut travailler de manière à ce que saleté nyons, impureté nyons, vous avez qui nakati ya or, et longolama. Pote pour or sikawa et briller za la kitoko. Allez pour na ko purifier or, va purifier ka or nakati ya moto. Katia moto moto makasi penza et na moto wana ndenge wana ba impureté nyonso ko dika me or ya me ko tika la et pe banda ko ngenga. Amen. C'est quoi alvena biso ke foi na biso et za ndenge moko na or wana botala ba comparer foi na biso na or foi na biso ba élevant on a niveau ya or ko la kisa et za lokola richesse mune no za nango sans ke oyeba. Mais foi na biso et za na no mélanger na ba sentiment mike mike na ba makambo mike mike to za na yango parce que pour te foi wana za la pure nzambe il faut a purifier meka yango alexamo na moto ya épreuve. Est-ce que vous comprenez? Pour ko bima na épreuve o ko za na foi moko ese lendi foi moko komi parfaite foi oyo eko koninga na suste na kat na yango makamba pam pam bezate. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en gelongo? Amen. Donc épreuve ezo sala nini ezali ko bongisa foi na biso pour foi na biso ekoma na perfection foi na biso e babilo ko miki miki apamba pamba o ya mukili ya chair e longo foi etika la foi pire foi parfaite. Nde musala ya épreuve. Est-ce que vous le comprenez? Nde wana mina biso ke il est nécessaire que vous soyez attristé pour un temps. Moni? Nde wana mina biso ke afin que l'épreuve de votre foi. Nde wana mina ke plus précieuse que l'or périssable. L'or est précieux, mais on nous dit que l'or il est aussi périssable. Mais la foi est plus que l'or. Plus que l'or périssable. La foi plus que l'or. Et notre foi doit être éprouvée. Bonani, pour Baba Kanisi, Baba Kamomokil, Baïlem, nous connaissons ce que nous avons Nzambe Tewada. Et c'est mélangé dans la foi. Amen. Amen. Foi na yo est la pure et la parfaite. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous avons dit que les wana tu que komi bongo foi wana et ko pesa vraiment le coup mon nzambe et ko pesa vraiment mon nzambe mais tant que tozali mélanger na biloko ebele moyen nzamba zo le coup mo ezate. Il faut une foi pure pour rendre une louange pure à Dieu. Amen. Quelqu'un dit amen à cela? Alors maintenant nous lisons ensemble donc c'est là ce texte tokei bien aimé tokei bien aimé. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Bazolo ba koka mwate. Koka mwa? Donc, éprouvez à la pour na chrétien, bazolo ba ke, il faut pas que toka mwa pour na ba épreuve voye na kata mwa tozole. Et dit, on dit aux chrétiens, ne vous étonnez pas. Mais la plupart des cas, nous nous étonnons. Nous nous étonnons, nous nous plaignons. Mais la Bible vous dit, ne vous étonnez pas. Amen. De la fournaise. Ya moto. Tangana lingala balubini bien aimé. Ah balubiboye bande ko babolingo boka mwate na bomoni ete moto monene bozali ko pela na kati na bino. Pona komeka mitema na bino lokola likambuline ne ikweli bino. Kuna balobi hein, pona komeka mitema na bino. Eza pona komeka mitema na bino. Quand on parle de mitema, ça veut dire la foi. Amen. Il la foi. Pona komeka mitema. Siko il faut pas toka mwa. Parce que bazo c'est un chrétien que boka mwa te. Ça dit eza lokola eloko nzamba lingi ke eza la wana. Amen. Pona komeka kundima na biso. Amen. Amen. Nous allons voir même dans Mukanda, même dans l'Ancien Testament, il s'agit d'un dengue mort, comment on s'en est. C'est-à-dire, c'est un principe, yanzambe. C'est comme ça, zo testé, baho yaï. Amen. Amen. Ça veut dire que chrétien,
akoleka na kati ya ba épreuve chrétien akomekama nini bazo meka baza komeka nde kondima na ye kondima na ye il faut emekama kondimo ezo mekama te eza kondima te et okotika la kozala na foi pureté soko mekamite kozala na foi pureté ou bien alors oza kutuno na foi te. Pour les gens du monde, quand les événements arrivent, les événements qui arrivent dans le monde, c'est pour éprouver les habitants de la terre. Tu ne peux pas empêcher ça, impossible. Les événements doivent arriver pour éprouver les habitants de la terre. C'est Dieu qui envoie ça. C'est quoi, on a baho yaye, apesi bango foi. On a kolonga ba événement wana. Si vous n'avez pas la foi, on kolonga ba événement wana te. Omoni Pierre nenga zalaga. Pierre avait la foi. C'était que Pierre est tombé, il a manqué. Non, non. Jésus savait que Pierre va vaincre. Parce que la foi va toujours vaincre. Vous aurez l'impression comme si vous avez perdu. Mais allez voir les jours qui viennent alors. Vous allez voir que votre niveau a augmenté. Donc, tu peux être deux fois. Oza kule kanaba situation très dure depuis on dit mais le moins makambo zo tambolaté ozo mona boy tout ça le blocage tout ça ko beta monté maté qui m'a pété d'un endroit à un autre té ou luka prophète moko muni na kosala quelque chose eza problème eza ngoya prophétité ça prophétité nzambe sera linga pambolo aza besoin na prophétité aza besoin na pasteur té aza besoin na sokka pambola o pambola na ye amen ni ngena. Mais Nzambe, il faut me kondima na biso. Moni. Moni. Job a sala ki mabe ata mon côté. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas de problème avec Dieu ni avec les gens. Job na makamute na Nzambe to na atana batote. Problème outi na lola. Discussion entre Nzambe na Satan. Nzambe azo ebisa Satan lobi na ye ke omoni Job aza yanga Job motema na ye mobimba. Nzambe azo kumisa Job azo kumisa Job. Satan okina kanda lobi deye kutu azo aza kwa doro kaka pamba po opesa ke biloko. Alobi ah nga na mbongo nga na koko Satan. Satan kende ka sezo biloko na ye nyonso. Ozo ba ye komeka kondima ya Job. En un jour Job a perdre biloko na ye nyonso. Sikawa Job alobi atako bongo Nzambe nda pia kingai soko azuyango kombone ka ke kumisama ah wana isa kake po na Satan amen ajo ba pa Nzambe bonza ma ebisa libina ebisa kioni moni ote umuni nyo swana ezali parce que yaza na santé malamu atake na no santé na yalo bon kende wa santé na yi me ko touche mote manate zo ka santé amen. Péché nini, Job a salaki, pote, a le kanapasi wana. Tant que vous avez le kanapasi, et zaga gate que vous sali péché. Ah, bazoka ngaite. Et zaga gate que vous sali péché. Nzamba lingi a testé kondimana yo, a éprouvé yo. Ta foi doit être criblée. Le kolam bou mama sangwana. Betango, babilo kwa miki miki ya pamba ya mukilo ya kangama na yo ndeko kendele wana. Amen. Otikala na foi pure, c'est ce que Dieu veut. Et tant que Nzambe ayaki kozonga pona kopambo la Job, apesa ki double. Les raisons pesa double. Est-ce que Job a senga yango? Non. Dieu s'il veut te donner, il n'a pas besoin de demander le conseil de quelqu'un. Alors je aussi un conseil à mututé. Ezalite pona sali 40 jours de prière, ndé Nzambe apesa nga lipambo la munene. Non. Les pambolies ont dépendre de la grâce de Nzambe. Amen. Basomba ka grâce te. Non. Si vous avez 40 jours, vous avez dit que vous avez les pambolies par 40 jours de jeûne. Grâce basomba kangote. Non. Dieu peut te donner. Tu n'as même pas besoin de. Les gens qui ont l'argent dans le monde, les riches là, Dieu leur a donné. C'est Dieu qui donne. Nzambe na pesa ka. Que Dieu soit béni. Amen. J'espère que ça va. Je prends le livre des juges. Je vais vous montrer ça dans l'Ancien Testament. Pour moi, il y a Isaac qui a été même maintenant dans l'Ancien Testament. Et le bas minin. Tout le temps, il y a Juges chapitre 3,
verset 1 à 2. Et voici, on y va. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Bozolan. Amen. Pour nous éprouver, ok, Israël. Ce qu'on a précisé, alors, bah oh yonso, bah tigala kine nous koye ba bitumba, soko soye ba ki déjà bitumba. Mais ceux qui n'ont les canes tombent, il faut les canes prévues. Et sa décision divine, c'est une décision divine. Est-ce que les canes guerre, ok, yo zana kati wanate. Les canes guerre, on a les kate, c'est là où on a épreuve. Moi, yo qui mango, exacte. Regardez le verset qui suit, le verset 2. Babylone, il voulait. Connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, ils voulaient seulement Alinga kaka. Alinga kikaka. Alinga yopo yeba guerre. Amen. Babete likof, babete double, yopoza la kaka wana. Mais ça, si elle est là, tout ça. Donc, oh, ngalengi guerre, te. Bereza, nzamba lubi guerrezal. Yo, le bigo, boy guerre, mais nzamba lubi guerrezal. Namoni bo kinga na noté. Il dit que aboyi ko bengana ba mabota mususu wana ezaki na kana. Pona nini? A partir mabota wana ameka bana Israël o ba kala kina no koyeba bitumbate. Pote bango nyoso bayekola bayeba bitumba. Là je lisais un peu pour mona ke Nzambe alingi ke bana Israël baza bana naye baza libota naye baza na kati ya alliance naye malingi ke bango pe baye kola bitumba nzamba baza besoin na ba poltron te de paresseux oyo kamwe likambu bwa bandi ko panike ngaye 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 Dieu veut des gens formés o demande ngaye abi alingi Israël azala formé baye bi guerre la guerre. Et ça, quoi faiblir, binoté. Ça vous forme. Babylone, on y a son abolique dans 4 ans. Ils ont formé binon. Mais, oh, et tombabo et tout ça. Vous n'avez pas peur. Vous avez peur que nos bondes. Vous avez moi. Alors, il y a un autre vaquet. Vous m'avez dit que nous mon corps. Amen. Amen. Réalisons encore une fois. Il voulait. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël. Connaissent et apprennent la guerre ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Alobi kaka bana Israël te. Alobi les générations. Abi mabota o ezali ko landa bana Israël. Donc même à taille on a mabota bakate même 400 ans 600 ans après il y aura toujours une guerre. Ata o lingo lingate il y aura toujours une guerre parce que nzamba yebi ke nano yebi guerre te. Il faut guerrer ya pour former yo. Nous sommes là. Amen. Alobi ke nanzela na yango na ko éprouver bana Israël. Je vais les tester. Na komeka bana Israël nanzela na yango. Amen. Amen. Sikoyo kamata makambo na yaka siko na molimo faisons l'application. Dieu ne va pas seulement c'est toi ngana ndimi po yo ndimi. Te il va tester la foi là. Na komeka ko ndima wana. On va tester. Oh Seigneur, moi je crois en tout cas, gloire à Dieu. Oh Seigneur, ko ngana ndimi ke mona nzambe. Oui, ma prière. Il doit te tester. Ceux qui font foi na yoana, ils allaient qui a ça. Quand l'épreuve vient, ça vous secoue. Vous découvrez qui vous êtes. Vous découvrez des fois hypocrisie. Vous pouvez dire qu'il y a pas kangote. Mais il y a ça du tout ébim. Et ils ont mis épreuve. Amen. Quand il envoie des épreuves, il envoie des difficultés. Oh. Il envoie des souffrances. Il teste son peuple. Je vais vous dire une chose. L'épreuve ne tue pas les croyants. L'épreuve ne tue pas les croyants. L'épreuve fortifie le croyant. L'épreuve élève le croyant. Quand tu vois l'épreuve commencer, toi aussi commence à danser. Parce que ta foi va vaincre.
Dieu sait que tu vas vaincre. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est Dieu. La foi ne peut pas être vaincue. Parce que la foi, c'est Dieu. Dans l'homme. Amen. Amen. Donc, combat. Bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Voilà. Conseil, c'est que combat. Kunda. Tu m'as mal à moi, Kodima. Kodima, beaucoup. Il dit combat. Abi Bunda. Tu dois te battre. Singolo Bunda. Amen. Amen. Il dit ça à Timothée. Timothée, combat. Abi na Timothée, Timothée, Bunda. Le bon combat de la foi. Et tu m'as ya Kodima. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, maintenant, vous devez vous battre. Singolo Bunda. Principe, soko lingi olonga. Il faut te battre. Le banane, je dois me battre. Je dois me battre. Amen. Amen. Tu dois te battre. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toza tu dans les canisiwana. Pierre, Simon, Satan vous a demandé pour vous cribler. Comme du blé. Simon, ne crains pas. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Tu es appelé à vivre par la foi, à marcher par la foi. Amen. Sans la foi, yo kende wapi? Nzamba ti royaume naye afin de se mettre collé à foi. Alubinin, tout est possible à celui qui croit. Il faut foi. Amen. Avec Dieu, il faut la foi. Nzambe singili kondima. Sans la foi, so il est impossible. Pour entrer au ciel, il faut la foi. Pour la guérison, il faut la foi. Amen. Pour la bénédiction, il faut la foi. Donc Nzambe falisi makamunyos, likola nini? Ya foi. La foi. Si tu veux gagner dans ta vie, avoir de l'argent, avoir une bonne maison, avoir un bon véhicule, que ça va soit bien, il faut bunda. Amen. Ça veut dire que travail dur. Donc, ce que boy ko bunda, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras prisonnier, tu seras mené en captivité. Si tu veux régner, il faut te battre. Il faut travailler, il faut faire quelque chose. Faut pas côté les raboy. Nous devons nous battre. Ce que vous dites, ce que c'est le côté, alors écoute Bible les autres alobi, alors un peu de faiblesse, un peu sans travailler et la pauvreté fera quoi? Surprendra. Te surprendra. Ce que on a, ce que yo les rois na okoloba keza foti nzambe nzambe le bike soko boyi ko sala musala paresse o sanine nini pauvreté o sanine vous surprendre yo oko sutuka na kati pauvreté pauvreté oko nega na prière te au nom de Jésus kende au nom de Jésus kende te les ramono ke ozu Congo na obano sala musala pauvreté le bia mutolo la mitsingai yo na ki donc tu travailles au kende te. Il y a des démons qui partent seulement par le travail. Donc, maintenant, dans 1 Jean, on nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ça veut dire que nous avons appelé sur foi pour que tu puisses vaincre dans toutes les situations. La foi, c'est Dieu. Nous avons besoin de se plaindre. Non. Nous avons vu que la rédemption sert à quoi? La rédemption, c'est une élévation. La rédemption, c'est un rétablissement. La rédemption, c'est une bénédiction. La rédemption est déjà faite. Jésus-Christ est venu pour ça. Il est mort pour toi. Il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos douleurs. Et ça, voyez, il a pris nos douleurs. Bon, si le Seigneur a zui nos soins, je dois rester encore dans cette condition. Dieu ne veut pas amener en go pour te nazala libre. Nazala libéré, nazala libre. Amen. Amen. Si koyo il faut ngana tela maté a pesinga foi. Foi na bi ses alliés. Jésus est mort pour moi. Jésus m'a déjà racheté. C'est ça la foi. Yeso sa kangwenga sa sikolinga kunima yango. Dieu ne ment jamais.
auprès de moi, il n'y a pas de Dieu. Et ça, vous voyez? Amen. J'ai le pouvoir de faire mourir. J'ai le pouvoir de faire vivre. Et ça, vous voyez? J'ai le pouvoir d'appauvrir. J'ai le pouvoir d'enrichir. Nul n'arrache de ma main. C'est moi qui blesse. C'est moi qui guéris. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Maintenant, le Dieu l'a dit qu'il t'a délivré de la maladie. Qui est Satan? Pour venir changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça ta foi. Maintenant, ta foi ne doit pas faillir. Et Sengeli Kondimanayo est l'embatté. Amen. Et angoité. Foi est en révélation. C'est ça ma camion. Nzamba salue à Yébissio. Amen. Zomon. A Yébissio Abraham. Dengue na Yébissio bo Ozomwan. Quel que soit même médecin à Talia, lui que moi, au moins, les athées, tout ça, tout ça. Ça, c'est le médecin. Ce n'est pas Dieu. Nzambe ya lobi que yo kozwa moi. Qui peut changer la parole de Dieu? La parole de Bibi na mouniko nanga. Yeko kozonga te, sans que, et ça, la oué pour la mouniko nanga. Amen. La parole de la rédemption dit, Nzambe asa tomboliyo. Amen. Nzamba sa kangolo na péché. Amen. Prison na yo est déjà ouverte. Amen. Donc, c'est à toi de prendre cette foi-là, la foi. Amen. Amen. Satan tikelika na eloko moko. Risi na yo wana. Mayele mabe, ba piège. Piège na yo wana. Azo piéger yo physiquement boité. Azo piéger foi na yo. Parce que votre foi trouve son fondement dans la parole. Et Satan fait tout pour piéger votre foi, pour vous faire croire que Dieu a menti. Okay. Que Dieu a menti et que vous perdez la confiance en Dieu. Voilà ce qu'il cherche. Amen. Satan n'attaque pas l'individu, il attaque la foi. Et en attaquant la foi, il commence par attaquer la parole que vous croyez. Parce que cette parole-là est votre foi. Yokanga malam, azali ko attaquer nde foi na yo, alembisa yango. Ndenge bayebisaki Pierre ke na sina bondeli po na foi na yo ekoyisamate. Et là, Satan a attaqué nos autorités. A attaqué foi na yo. Mais foi na yo est fendu les colons et le bananzambe. Et pour azoyo bien, a attaqué parole. Pour la qui sait que parole on est à soloté. Que aux ondes dit ma ya pamba. Et ça, c'est la vérité que Jésus a sauvé yo. Ce qu'on dit, mais ce qu'on dit, que Jésus a sauvé qui n'aille, au longi. Amen. Aza ko attaquer nini foi. Oza nangé longo hein. Amen. Attaque la foi. Satan a l'indé ko bunisa ko ndima na yo. Mais aza ko attaquer ngonde nini arme nini aza nango pona ko attaquer foi. Ruse. Mais il m'a bendé bundeli. Piège. Mitambo na yona. Il crée une situation. Hein? Une situation vient, il y a créé une chère pression du colonna. Quoi, mais maïo, que yo wangana, oh Seigneur, asila ki kosale la yo, nanzele ne kolos. Maintenant, il essaie de te faire croire que toi tu es perdu, que tu ne veux pas être béni. Il te fait croire comme ça, que yo kopambo la mate. Oui, c'est vrai, bato kuna ba pambo la meme yo pambo la mate. Moni pro pambo la meme, il faut que ndekuna. Il essaie de t'éloigner, à isoler yo. Tout ce qu'il peut faire, c'est de t'isoler. Et soit l'ingazo en moto, à cause de la koya kasu soit assemblée, à isoler yo. Pour na yini, parce que ce que vous croyez que le bananzambe, ma casse nous est kozong. Nous sommes fortifiés par la parole. Azo salingi na azo éloigner yo. Au moins une église on a balinga kayote. Moni soko yé batunyos bazo boudé, ok nous nous soukunate. Abando yé bisobon. Le soko yo fongoli ka matoi, oyo kiye. Il est comment? Il est rusé. 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 Problème na ye zate que po yo yakate. Problème na ye alingite oyo kalubananzambe. Na tu vous comprendre?
problème na yeza liki yo yo kelo bananza mbete mais ko l'accès loko mosusu abi omuni kuna balinga kayo te ko ke non kuna te omuni mukola ndeng mwana na reponda kiyo ko non so kuna te ke non nuka place bo bien ke non esika boy il est comment il est rusé rusé azana maele mabe penza akoko sa ile lo lenge bele le rusé parce que azana puissance te Ozok azana puissance azana arme les autres il a été dépouillé carrément par le Seigneur. Abotolaye nguyani. Et l'autre tigliga ya sala ezali ke a rusé azana rusé azana mayele mabe a piégé yo kaka yo moko dilobaka ozana ngwana yo ndozo informé ye. Muto a informé Satan le bana nzambe za Eve. Eve nda ebisi que Dieu a dit que nous ne mangerons pas de cet arbre brisé. Azui kaka yo Eve a ebisi wana. Ablo yango abo beaucoup faté nzamba yibi déjà qui beaucoup faté mais ali nzambe mo kwaye bien ayibi déjà beaucoup faté binu boza banana iboya okufa nzamba yibi déjà beaucoup faté quand muke wana sali kana c'est fini dès que vous croyez ça ayibi ke oza suna fwaté parce que oyo zondi masikawa eza sur le banana nzambe té le koloza na fwaté nzamba za na yo lisusu té maintenant il peut t'avoir. Il peut avoir maintenant ton âme, il peut avoir ton esprit. Aza au sein de la ruse naïe. C'est tout. Maintenant, foi na yo et le banin. Foi na yo, c'est tout ce que la parole de la rédemption déclare. Nous avons été identifiés avec lui dans sa mort. Dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous sommes unis à sa nature. Donc, amen. Mais Satan fera tout pour vous faire croire que vous êtes de mon côté. Il va faire même des raisonnements pour vous dire que vous êtes de mon côté. Parce que ce qu'on dit, c'est fini. Moi, je suis exalté. Avec que. Nous sommes assis avec Christ, et le Christ dans les lieux célestes sur le même trône. C'est-à-dire que tous en a beaucoup à Jésus et comme il peut beaucoup à la Bible. Satan l'a dit yondi bango parce qu'il y a une des fois nzamba zo peso nzamba peso yo fois que yona Jésus boit ndenge moko. Amen. Tu es à sa ressemblance, tu es à son image. Mais Satan l'a dit yondi bango parce que ce qu'on dit miango si lipo na ye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit te détourner. Il faut créer le komoko boye. Comme ça, vous avez une foi. Vous avez une foi. Vous avez une foi. Vous avez une foi. Tu es déjà délivré. Tu es déjà guéri. C'est une œuvre achevée. Mais Satan ko linga te ke yondi mango. Ah, linga la question que oui, mais. Ça sera plus tard. La foi n'est pas plus tard. La foi est au temps présent. Amen. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est au temps présent. L'espérance, c'est dans l'avenir. Mais pas la foi. La foi dit que tu es guéri, tu es délivré, tu as été affranchi, tu es au niveau d'un fils de Dieu. Tu entends? Ça c'est la foi. Pas quand je vais mourir, non, au temps présent. Maintenant Satan ne veut pas que on dit mango. À quoi attaquer? Il attaque cette parole-là. Satan ne vient pas avec Azo Saganate. Il va utiliser la parole, mais pensez à Bino, à Mémé, on est là comme source. Ce que la parole est en train de montrer pour vous maintenant. Hein? Aligito Mounango. Aligio Mounate, que tu es déjà délivré. Tu es déjà guéri. Tu es déjà sauvé. Tu es un avec Christ. Tu as la ressemblance de Jésus. Tu as son image. Aligio Wanate. Il faut à Mémé, on est là comme source. Ça le bien au a message exact. Et puis balongoli photo ya Branham au moni. Awa fo. Au moni ki awa et le ko exact. Maintenant c'est pour ce qu'on dit mi que
tu es à la ressemblance de Christ, tu as l'image de Christ, c'est fini. À Kolongo Souste, parce que tu vas utiliser l'autorité de Jésus-Christ. Bon, c'est le bon conseil de Jésus-Christ. Bokomi. Amen. C'est le petit message de ce matin, non? Et ça, nous, on l'a été. Ça, mon cousin, n'est-ce pas? Je n'irai pas loin. Amen. Amen. Je n'irai pas loin. Problème, Ezali. Satan l'ingite. Amen. Amen. Yondi Mayango. Message à rédemption. La rédemption, ce n'était pas pour Jésus. L'ici que tu n'as pas naïf, c'était. La rédemption, c'était pour toi. L'ici que tu n'as pas naïf. Il est mort pour moi. Pour il est allé en enfer pour moi. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Et ça, voyez. Amen. Il a pris notre châtiment. Et il a c'est déjà fait. Le Seigneur m'a déjà délivré. Maintenant, Satan ne veut pas que je croie ça. Il ne veut pas que tu croies. Parce que ce qu'on dit, c'est un résultat. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre la souffrance. Tu vas vaincre la situation. Mais il y a une situation. Mais pour Dieu, Zamba sa monakio obimi na situation wana. Amen. Zamba limike ozwa liloba na ye. Ozwa foi, o salela yango, obima na situation wana. Amen. Dieu veut que tu prennes la parole, que tu croies la parole, que tu sors de cette situation wana. Tu ne peux pas être éternellement esclave à Satan. Il a été vaincu. Amen. Dieu. Il ne peut pas continuer à vous dominer. Non. Satan a été vaincu. Satan a sa longa maki. Maintenant, Nzamba lingi ke, regarde, nous ne demandons pas à Dieu de descendre maintenant et de nous guérir. Non. Dieu est déjà descendu en Jésus-Christ et nous a guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été. C'est ça la foi. Maintenant, quand vous croyez ça, la maladie viendra pour éprouver ma foi là. Tenez ferme. Il ne faut pas faillir. Que Dieu dise amen. Amen. Nous avons continué à faire ça. Mais Satan a dit que nous ne sommes pas déjà. Nous avons dit que nous sommes en il t'attaque. Il attaque ta foi. Il amène des situations. Quelles que soient les situations, le bas, je veux vaincre. Amen. Le bas, j'ai la foi pour vaincre. J'ai la foi pour vaincre. Amen. Jésus est mort pour moi. Jésus est mon rédempteur. Il a pris ma maladie. Il a pris mes souffrances. Il a pris ma mort. Il m'a donné sa vie. Amen. Oyozo benga problème na yo. Eza problème te. Eza komeka maya foi na yo. Amen. Dieu veut que tu prennes la parole ce matin. Sors de la situation là. Cette situation là doit changer. Ça doit changer. Il n'est pas mort en vain. Mais il est mort pour toi. Il a pris ma maladie. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes infirmités. Ça veut dire que moi, je ne dois plus porter les maladies. Je ne dois plus porter ça. Mais il faut que je l'accepte moi-même. Je suis un agent de poste. De poste céleste. Le prix a été payé. Jésus a fait le colis. Je ne viens que livrer le colis. Mais tu dois accepter le colis. Le colis ne peut pas être livré tant que tu ne l'as pas réceptionné. Tu dois réceptionner le boderon. Tu dois confesser que c'est ton colis. Amen. Mais voici ce matin, je suis venu avec votre colis, votre guérison, votre délivrance, votre prospérité, votre élévation. J'ai amené le colis.
Mais comment je vais livrer? Il faut que toi tu acceptes de réceptionner les colis. Il faut signer les bordereaux. Dites que oui, c'est mon colis. Reconnaissez ça. C'est déjà payé. Jésus a payé pour ta guérison. Jésus a payé pour ta délivrance. Jésus a payé pour ton élévation. Jésus t'a délivré. C'est déjà fait. Amen. Alléluia. Tu dois l'accepter. C'est déjà payé. Ce matin, j'ai le colis avec moi. Fais-tu la voir? Amen. Jésus a déjà payé. Je ne suis qu'un agent de la poste. La poste céleste. On m'a envoyé le matin avec un colis pour toi. Mais la seule façon que je puisse livrer le colis, il faut réceptionner le colis. Il faut signer les bordereaux. Les bordereaux qui disent que je crois, recevez dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Lèvez-vous, commencez à recevoir. Commencez à recevoir la bénédiction. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Commencez à recevoir. Amen. Alléluia. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. La lobby de l'eau est allée l'eau. Le colis est venu. Recevez votre colis. Alléluia. Recevez votre colis. La seule façon que le colis peut être livré, vous devez le réceptionner. Amen. Ce matin, je me tiens ici avec le visiteur du ciel. Le Saint-Esprit est ici. Oh Saint-Esprit, je reçois mon colis. Oh Saint-Esprit, je reçois ma grâce. Je reçois ma délivrance. Je reçois. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Confessez que ça vous appartient. Confessez que c'est à toi. Commencez à le réclamer. Commencez à le recevoir. Le bas est Zayangai. Guérison est Zayangai. Élévation est Zayangai. Délivrance est Zayangai. Prison Nangai est Fungwami. Captivité Nangai est Sili. La commande la Yesu. Recevez.